Alors voilà, moi je suis née à Belfort. Mes parents étaient d'origine polonaise. Ils s'étaient mariés à Varsovie. Mon papa avait une grande famille à Varsovie, ses parents et frères et sœurs. Ma maman était orpheline. Et ils avaient décidé de quitter la Pologne parce que c'était pas très agréable là-bas. Et ils avaient une bonne raison de quitter. Ils sont partis en Suisse parce que ma maman avait deux frères en Suisse. Ben bonjour, le gouvernement ou la police suisse leur a dit Shalom, c'est très agréable de faire votre connaissance, mais s'il vous plaît, prenez vos valises et quittez ce pays. Nous n'aimons pas les étrangers. Comme ils étaient à Bâle, et Bâle c'est presque à la frontière suisse, ils se sont installés à Belfort. C'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de familles juives d'origine polonaise. On était mal vus, les coutumes n'étaient pas les mêmes, et enfin, c'était très différent. Les Juifs, je parle surtout de ceux qui sont venus de la Pologne, c'était ni des académiciens, ni des médecins. Mon papa, il faisait du marché. Et nous vivions dans un vieux quartier. Nous étions 6 personnes dans 2 chambres, 2 pièces. Il n'y avait ni salle de bain, ni WC, c'était dans le couloir. En dehors de l'appartement, c'est comme ça qu'on vivait à cette époque-là. Mais je dois dire franchement que je ne me souviens pas de m'être plainte. Je dirais au contraire que nous étions très heureux. Et très heureux, c'était comment? C'était parce que papa et maman nous adoraient, et nous on aimait beaucoup nos parents. On chantait beaucoup à la maison. Mes parents aimaient chanter, donc. Moi, il me semble que quand on chante, on ne fait que de bonnes choses. À quel moment vous avez senti que tout basculait par rapport aux juifs? Parce que vous avez Pas senti, encore. pas à l'école encore. Non, mais à l'école, il y avait salle juive. Quand même, vous avez vécu l'antisémitisme. Ah oui, bien sûr. Salle juive, ça m'appelle très souvent dans la cour. Ou bien un sale coup de juif. Moi, je me souviens que je rentre dans la maison. Et je dis à ma maman, tu veux s'il te plaît me garder mon coude? Je dis pourquoi? Je dis parce qu'on m'a dit que mon coude était sale. On n'avait pas compris qu'en fait c'était pour me faire plaisir, entre guillemets. Donc je savais que moi je n'étais pas comme les autres. Enfin c'est clair, je l'ai toujours su. On est 1939. Ok? 1939, c'est la déclaration de guerre. On en parle un peu à la maison, mais je me souviens que mon papa et ma maman ont dit il y aura une guerre. Moi, j'étais très contente d'entendre un nouveau mot, guerre. Ça faisait du bruit. Je me souviens être accoudée à la fenêtre en disant il y aura une guerre, il y aura une guerre, il y aura une guerre. J'avais aucune idée, mais je me disais que il y aurait un peu de remuant, parce que c'était trop calme, probablement. Enfin bref, 1961. Et un beau jour, il y a eu ce qu'on appelle la débâcle. C'est le jour où ma maman a dit à mon papa, écoute, j'ai entendu que les Allemands cueillent les hommes comme des fleurs. Alors si c'est comme ça, je te prie de quitter la maison. Bon, papa a refusé, mais ma maman lui a dit, les dernières affaires, toi tu les as mangées et tu vas t'en aller. Alors moi je vois ma maman. Une petite valise en carton, comme à l'époque. Et il est parti. 1940.
mon papa n'est pas là, nous sommes à la maison, enfermés à la maison, vraiment enfermés, parce qu'il n'y a pas d'école, il y a des bacs, c'est la guerre en fait. C'était elle, l'épicière, qui nous donnait les dernières nouvelles. Alors, un jour, en arrivant là-bas, elle m'a dit, tu sais, les Allemands arrivent aujourd'hui à Belfort. Alors, j'ai couru à la maison, j'ai dit à mon maman, ils arrivent et je veux les voir. Alors, j'ai fermé la porte et j'ai couru sur la place de Belfort et j'ai vu les Allemands à Danzigny. Enfin, ils arrivaient en camion, en motocyclette, beaucoup de soldats, beaucoup de bruit, beaucoup de... Enfin, bon, franchement, je les ai bien regardés. Soudain, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, il faut s'en aller. Alors, j'ai couru à la maison, je suis rentrée à la maison, et j'ai dit à ma maman, ils sont là, et j'ai fermé la porte à clé. Alors, ça, c'était au milieu de la journée. Donc, ils étaient arrivés pendant la matinée, et rien. Il se passe rien, on est à la maison, on ne peut pas sortir. Et puis, tout d'un coup, on frappe là. Et c'était un officier allemand. Et là, je dois vous faire comprendre quelque chose qu'il faut savoir. Parce que la question qui se pose, pourquoi est-il venu chez nous, à la maison, le jour de leur arrivée à Belfort, en 1940? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y avait déjà des listes préparées des familles juives à Belfort. Et ces listes-là, c'était la police française qui les avait préparées pour dépasser les Allemands. Alors, sachez bien que la France, elle y joue pas mal dans toutes ces histoires qui s'appellent la guerre mondiale. Et c'était vraiment le premier effet terrible que cela nous a fait, parce que l'officier qui est rentré, il s'est approché de ma maman et il lui a dit en français, il a dit, vous n'avez pas peur de nous? Bon, vous n'avez pas peur de nous, on ne peut pas répondre. Maman n'a pas répondu. Il a fait encore un tour autour de la table et puis il allait sortir. Il a ressorti, il s'est retourné pour nous dire, demain je viendrai de nouveau vous rendre visite. Voilà, et il est parti. Moi, ce dont je me souviens vraiment, c'est le coup. C'est comme si on avait reçu, je ne sais pas moi, un coup de fusil où on ne pouvait pas parler. Ma maman n'a pas dit, vous savez bien, ne faites pas de soucis. Nous, on n'a pas dit, oh, maman, quelle horreur, qu'est-ce qui se passe? Silence, total. Maman ne dit rien, ne dit rien, il y a du pleur, du parler, il n'y a rien. Et on vit du jour au lendemain. Ça, je me souviens très bien, parce qu'il avait dit qu'il allait venir le lendemain. Alors nous, on l'a attendu le lendemain. Mais il n'est pas venu le lendemain. Personne ne sort. La seule qui sort, c'est moi qui vais de temps en temps à l'épicerie. À l'époque, en 1940, la France n'était pas occupée. C'est-à-dire qu'il y avait la zone occupée, il y avait la zone libre. Donc là où il n'y avait pas d'Allemands, c'était la zone libre. Alors mon papa, il était dans la zone libre. Où aller chercher du travail. Alors ce qu'on fait pendant la guerre, après ce qu'on appelle le marché noir. Et les mois s'écoulaient, et puis un beau soir, on frappe à la porte. Ma maman, elle met son doigt sur sa bouche, en me faisant un signe, il ne faut pas ouvrir, parce que probablement, ça doit être certainement un Allemand qui l'a arrivé là. Eh bien non, c'était pas. Après, elle a dit à maman, voilà, écoute, on ne reste pas ici, nous avons passé la frontière, on ira vivre dans la zone libre. Il y a une maison, quelque part, si je ne me trompe pas, c'était périlleux, on s'en va. Mon papa a trouvé un passeur. Et on s'est préparé pour le départ, le grand départ. Et voilà, les deux valises étaient prêtes,
avec des ficelles aussi, et d'abord parce que c'était du carton. Et papa a dit, voilà, maintenant, vous allez on va se coucher, et quand il donnera le signe de tel ou tel, on quittera la maison sur la fin des pieds, au milieu de la nuit. Nous étions tous dans le lit des parents, et on attendait le signe. Ben, le signe, il n'est pas arrivé. Parce que monsieur le passeur, il a eu son argent. Il suffit largement, il a pris l'argent, il est parti. Mon papa, il a eu une autre idée géniale. Pendant la guerre, nous changeons d'appartement. On quitte le vieux quartier pour aller dans un quartier moderne. En même temps, plus ou moins, toute la France a été occupée. Il n'y avait plus de zone libre. Alors, beaucoup de Belfortins qui avaient quitté Belfort à la départ étaient revenus à Belfort. La vie a repris son cours. Les Belfortins, les Juifs Belfortins sont revenus, la plupart, sont revenus vivre à Belfort. Il n'y avait plus de synagogue. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de synagogue nulle part. Tout était fermé. J'étais toujours avec les adultes. J'entendais ce que. Je les entendais discuter entre eux. Et il y avait un mot qui revenait constamment, c'était le mot camp de travail, Pologne. On ne savait absolument rien, rien, rien. Camp de travail, oui. Et on n'a pas encore de connaissance en sachant que X, Y a été arrêté déjà par la police française. Attention, pas par les Allemands. C'est par la gendarmerie française que des gens ont été arrêtés avec Belfort. Un beau jour, mon papa a reçu deux cartes postales, l'une de mon grand-père et l'une d'un de ses frères, ils étaient cinq ou six frères. Dans les deux cartes postales, ce qui est écrit, c'est « T'as pas honte, tu fais une vie, tu vis comme un roi en France et nous mourrons de faim et de froid. Nous avons besoin de ton aide. Envoie-nous de la nourriture, envoie-nous des habits. » Alors, ça c'est mon grand-père. Et son fils, donc le frère de mon papa, il écrit exactement la même chose, toujours mal. Mon papa pleure. Et puis il se redresse tout d'un coup. Et la phrase suivante était: les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Quand la guerre se terminera, nous irons à Varsovie. Nous allons voir mon papa et ma maman et nous partirons tous en Eretz Israël. Évidemment, ils ont terminé leur vie à très bien temps. Autant ils ne savaient rien de ce qui se passait en France, autant nous ne savions absolument rien de ce qui se passait en Pologne. Et vous savez qu'en Pologne, c'était la guerre aux Juifs, vraiment. C'était déjà des camps, c'était une atrocité. Les gens dans les ghettos qui mouraient de faim, de soif, de maladie. C'est très bien aujourd'hui que le ghetto de Lodz, il y a plus de morts dans le ghetto qu'après dans les camps. On se disait une horreur, mais nous on ne savait rien. Ni journal, ni radio, ni rien. 1941. On parle de temps de travail. On continue avec pas, on parle de temps de travail. L'île passe, nous sommes déjà en juillet 42, nous sommes. On a vécu comme on a vécu. Je suis allée en classe, l'école était ouverte, ma sœur est allée à l'école, mes frères étaient très petits, donc ils étaient à la maison. Mon papa faisait du marché noir, c'est évident parce qu'il fallait vivre. Ma maman était à la maison, elle s'occupait de nous, donc c'était tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Mais il commence à nous montrer d'autres signes, c'est-à-dire les magasins juifs à Belfort, avec un grand X rouge, il est écrit « N'achetez pas chez les juifs ». Et puis ensuite, ça commence, c'est-à-dire les juifs n'ont pas le droit de prendre ni le bus, ni le tramway, ni le car, ni cinéma, ni théâtre, ni parc, ni jardin d'enfants. On est s'amuser dans les jardins, strictement différent. Donc, on sait qu'on est en train de nous serrer un petit peu, mais on ne sait vraiment pas ce qui nous attend. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Nous sommes en juillet 42. On était chez des amis qui habitaient après le parc. Il y a un grand parc à Belfort.
Et moi, je me suis mise à table avec eux, évidemment. Il fallait que je n'entende ce que les personnes âgées parlent. Et j'ai entendu qu'ils disaient, en yiddish, ils disaient, il y a trop de silence, c'est pas possible. Il y a trop de silence, c'est pas possible. Et sur ce, on les a quittés finalement, et on est rentrés à la maison. Alors, notre route de ce parc jusqu'à la maison, je crois que je n'oublierai jamais de ma vie. Parce que c'était quelque chose de tellement bizarre. On s'amusait dans ce parc. On courait sur les pelouses, on tapait sur les arbres. Enfin, personne ne parlait. Et on avançait comme ça. Et on rentrait à la maison. Et puis comme il se faisait déjà assez tard, donc elle a... les enfants se sont couchés. Elle a couché les enfants. Elle revient à la chambre couchée. On frappe à la porte. Et rentre une dame qui était une Goyave polonaise, qui vivait à Belfort peu de temps, et qui aidait à maman à faire ses missiles. Elle rentre en hurlant et en appelant ma maman et en lui disant en polonais, je vous ai vu sur la liste, on vient vous arrêter. Parce qu'on a arrêté dans la vieille ville, tel et tel et tel et tel, et tous les noms. Et elle s'en va. Alors, ma maman, elle se tourne. Elle regarde mon papa, elle lui dit, mais t'as compris? Va-t'en. Alors, mon papa lui dit, t'as pas compris ce qu'on t'a dit? On t'a dit que, elle t'a dit qu'on vient te chercher. Alors, ma maman, presque à rire, à lui dire, non, mais tu t'imagines pas que moi, une femme, qu'est-ce qui parle de ton travail pour une femme? Une femme, une mère de 4 enfants, j'ai des varices, je suis pas en bonne santé, on n'a pas besoin de moi dans un camp de travail. Et elle met mon papa à la porte, directement, catégoriquement. Et mon papa n'est pas à la maison, et elle m'appelle. Elle m'appelle à son lit. Je m'assieds à côté d'elle. Elle me regarde. Elle me parle en yiddish. Elle me dit en yiddish. Mon enfant, je quitte la maison. Et moi, entendre dire ma maman, quitter la maison. Jamais de la vie. Et je dis en yiddish. Ima, non. Maman, non, tu quittes pas. Je quitte. Je m'en vais. Et j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, tu sais, ton papa, il aime bien que ses chemises soient bien lavées et bien repassées. Mais je ne veux pas que je pourrais être la nappe. Au Shabbat, soit. Et l'autre, son alliance, elle me l'adore. Elle est là sur ton bois. Elle est là, ma maman, elle est là. Et on frappe à la porte. On frappe à la porte, et il y a deux agents qui rentrent. Deux gendarmes. Belfortin, qui nous connaissait, avec un mandat d'arrêt, en le disant à ma maman, pour lui dire, alors, madame étant donné que vous n'êtes pas encore à l'âge de 45 ans, vous êtes priée de préparer des habits pour 3 jours et de la nourriture. Alors, moi, j'attrape un des gendarmes par le bras, et je lui dis, ma maman, elle aura son anniversaire au mois d'octobre, elle aura ses 40 ans, ses 45 ans. Il a dit, ben, pas de problème, on te la rendra. Et ils sont sortis, ma maman s'est habillée. Et mon papa est rentré. Il est revenu, il voit ma maman habillée, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, elle lui raconte, il dit, ouais, allez, tu te remets au lit. Et il s'approche des gendarmes, il leur dit, moi, je vais à la place de ma femme. Alors le gendarme dit, il n'y en a pas question, c'était
Mon papa, comme si personne ne lui avait dit quoi que ce soit, il réveille mes frères et on s'habille tous et tout le monde part. Nous partons tous. Et les gendarmes vont dire, vous n'avez pas compris, monsieur. C'est elle qui nous plaint. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est vraiment passé. C'est que finalement, c'est elle qui nous a quittés. Pour essayer de vous expliquer ce que c'est de se séparer de sa maman, vous aurez du mal à comprendre. Parce que même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore très bien compris comment a-t-on pu laisser maman s'arrêter. C'est incroyable. Plus j'y pense, moins je comprends. Parce que imaginez-vous que ma maman a été accompagnée par les deux gendarmes à l'entrée de l'appartement, donc près de la porte, et maman était en dehors de la porte, et nous, on était dans l'appartement. En face, ni pleurs, ni cris, rien. Non, on n'a pas dit maman, elle n'a pas dit mes enfants, mon papa n'a rien dit. C'était fou. C'est quelque chose que je n'arrive pas, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a survécu, vraiment, je dis survécu, je pense sérieusement, comment peut-on survivre à une tragédie terrible? J'avais une maman, et en une minute, j'ai perdu maman, voilà, c'est tout, il n'y a plus de maman. J'avais 11 ans. Le papa m'a dit, maman est à la police. Alors, pendant 2 jours, je suis allée rendre visite à ma maman qui était assise à l'entrée de la police de l'époque. Alors, c'était quelque chose d'abominable. Parce que ma maman, ses yeux ne bougeaient pas, c'était immobile. On aurait dit un vivant mort. Je ne sais vraiment pas jusqu'aujourd'hui comment l'expliquer. Alors, j'étais tellement effrayée de ce que j'ai vu, je m'imagine. C'était ça. Je n'ai même pas osé entourer ma maman. Il n'y a rien de plus normal que de prendre sa maman, de l'embrasser, de dire maman, je t'aime. On était une famille qui. On était toujours là à embrasser et à dire je t'aime, on t'aime. C'était vraiment notre façon de vivre. J'étais incapable. Je ne l'ai pas fait. Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Ma maman était méconnaissable. Et j'y suis revenue à 2 reprises. Et finalement, il a été dit à mon papa, probablement, que maman avait quitté Belfort. Alors, maman a quitté Belfort, avec toutes les autres femmes qui ont été arrêtées. Ils ont emmené à Pithiviers, il y avait un camp, un très grand camp là. Et de Pithiviers, il a été envoyé à Drancy, de Drancy à Auschwitz. Moi, je peux continuer parce que il y a un papa et nous sommes 4. C'est la fin de l'année scolaire. Mon papa me dit, va à l'école, il y a la fête, la fin de l'année, tu veux certainement te recevoir un prix d'excellence, comme ça. J'y vais. La directrice, qui est très gentille, qui n'est pas juive évidemment, m'appelle et me dit, j'ai entendu ce qui s'est passé chez vous, tu vas aller, rentre à la maison et reviens avec ton papa, j'ai à lui dire quelque chose, c'est-à-dire mon papa, voilà. J'ai une très très bonne amie qui dirige un lycée Pasteur à Besançon, avec l'internat, de la 11e jusqu'au bac. Je vous conseille d'envoyer vos filles à Besançon, vous faites vos valises, vous préparez tout, parce que vous ne pouvez plus rester à Belfort, parce que si on a arrêté votre femme, on va vous arrêter aussi, c'est clair. Alors, pour vous dire tout d'abord, ce que je ne vous ai pas raconté tout à l'heure, c'est qu'on porte déjà une toile juive, mais pour aller à Besançon, on n'a pas mis les toiles juives, parce que c'était défendu de prendre le train. Donc, on est parti, ma sœur, moi et mon papa, à Besançon. Et un beau jour, on m'appelle chez la directrice. Et je rencontre là-bas une dame qui appartient à l'armée du salut. Je la rencontre chez la directrice.
Et tout le monde dit, ma pauvre enfant, j'ai quelque chose à te raconter. Alors, on a arrêté ton papa et on a arrêté tes frères. Bon, il n'y a plus personne. Ni maman, ni papa, ni frère. On est restés, nous sommes là, ma soeur et moi. Le lycée Pasteur, il est un très, très ancien lycée. Il y a beaucoup de marbre. C'est lourd. Je me souviens, en sortant du bureau de la directrice, j'ai l'impression que tout allait s'écraser sur ma tête. Parce que c'était terrible, tout d'un coup, de s'apercevoir que c'est fini. Ni papa, ni maman, ni frère, il n'y a que ma soeur, moi, c'est tout. Voilà, on était six, on est deux. Pardon, Sipora, vous compreniez ce que ça voulait dire? Non. Vous saviez pas. Arrêtez, c'est tout. Non, quand même. Pas du tout. Mon papa a été arrêté de Belfort à Drancy, de Drancy à Auschwitz. C'était fou, je dis. Mes frères ont été envoyés par la police française à 18 bis rue Lamarck, Paris. Vous pouvez vérifier, ça existe encore. C'était l'Union Générale Israélite de France. Comme ils n'avaient pas encore préparé la mort des enfants, alors, c'est pour ça qu'ils s'étaient débrouillés avec l'aide de la gendarmerie française. Jamalot, pourquoi pas? Alors, mes frères étaient là-bas. Et j'ai reçu une petite lettre de mon frère aîné, en 42, il avait 6 ans. Oui. Et il m'écrit, Joseph pleure tout le temps, et il veut papa et maman, et il veut aussi du chocolat. Non, je ne peux ni lui donner ni du chocolat, ni papa, ni maman. Je ne sais même pas si j'ai répondu à mon frère. Et un beau jour, j'ai pris ma soeur et nous sommes allés chez eux, au quartier allemand. Et j'ai frappé à la porte, on nous a dit entrer. Alors on est entré. Un officier allemand qui parle un très bon français et qui me dit. Quel est votre problème? Alors je lui dis carrément, je lui dis voilà, vous avez pris notre papa, notre maman et nos frères. Et vous êtes d'où? Je vois. D'où vous êtes Belfort? Et vous appelez comment? Comment s'appellent vos parents? J'ai mis en doute de ma maman et mon papa. Alors je vois être associé, faire le ABC, il arrive au nom de mon papa et maman, nous sommes à Besançon, 80 km. De Belfort, n'oubliez pas. Ah oui, en effet. Bon, eux, ils sont polonais. Ça veut dire quoi? Bon, ils sont polonais. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je lui dis, c'est le camp de travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont polonais. Ah, il continue et il voit les noms de mes deux frères. Il dit, là, c'est une erreur. On n'aurait pas dû les arrêter parce qu'ils sont de nationalité française. Et là encore, on n'arrêtait pas encore les enfants. Ça c'est, je peux vous promettre que c'était maximum novembre 1942. Donc, on ne savait pas encore ce qu'on faisait avec les enfants. La preuve, c'est que mes frères n'ont pas été envoyés à Drancy, ils ont été envoyés à la rue Lamarck à Paris. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors j'ai dit, nous on va être ensemble. Ensemble, c'est-à-dire avec les frères. Oh, il a dit rien. Il n'y a aucun problème. Ou on vous les renverra, ou on vous les rejoindrez. Je lui ai dit merci. Et puis on l'a quitté. Alors, en se retournant, en allant à la porte, il m'a rappelé en me disant et vous habitez, quelle est votre adresse aujourd'hui? Je lui ai dit c'est pasteur. Il faut bien qu'il sache où nous sommes. Et on est parti. On n'en a pas parlé à qui que ce soit, je ne sais même pas si j'en ai parlé à ma sœur, si elle a bien compris ce qui s'est passé, bref. Alors, en le rendant, je suis rappelée chez la directrice. Et en rentrant chez elle, tout d'abord, elle me reçoit avec deux gifles. Quand j'y pense, je me dis, il me semble que ça me fait encore mal quelquefois. Colère terrible. Et je vois qu'elle tient un papier dans la main. Il me semble que j'avais compris sur le champ. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait?
qui t'a permis d'aller chez les Allemands pour donner votre adresse? J'ai promis à votre père que j'allais m'occuper de vous. Alors maintenant, vous faites les valises et vous partez. J'ai dit non, pourquoi? Et finalement, les Allemands ne sont pas venus nous chercher. Et quand j'arrive à cette époque, je me dis toujours, ça c'est la volonté de Dieu, je ne peux pas l'expliquer autrement. Parce que pourquoi ne sont-ils pas venus me chercher? C'est incroyable. J'étais tellement prête à aller rejoindre nos frères, parce qu'au fait, c'était ce que maman m'avait dit. C'est-à-dire, elle m'avait offert, donné, que je vais la remplacer, faire tout ce qu'il fallait faire. Et c'est certainement ce que ma maman aurait aimé, c'est que nous soyons ensemble. Alors, j'ai pas pu le faire. Puis après, on a été obligés de quitter quand même ce lycée. Nous avons quitté, nous sommes partis dans un, en dehors de la ville de Besançon. Il y avait une maison d'orphelins, un orphelinat, qui s'appelait En Famille. Et c'est là que nous avons, vécu jusqu'à la fin de la guerre. Nous avons vécu dans cette maison en famille, on a eu pas mal de problèmes parce qu'il y avait une monitrice qui nous haïssait, tout le monde savait que nous étions juifs. Ma sœur a beaucoup souffert de claques et de barres sans se gêner. En 1944, Besançon a été libérée. Les Français vivent la France, vivent, on chante, on danse, on boit dans les rues. Moi, je me regarde, je me dis alors. Et nous, c'est quoi maintenant? Nous, on va chanter, danser, rire. Quelle raison? Ni papa, ni maman, ni frère, ni rien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? J'ai pris ma sœur par la main, on a pris nos deux valises, on a quitté cette maison en famille, on s'est installé à Besançon en plein centre. J'ai pris ma sœur par la main, je savais. En traversant le Doubs, il y a une synagogue. Et cette synagogue était fermée pendant toute la guerre. Et j'arrive à la synagogue. Elle est ouverte. Des dizaines, peut-être des centaines de soldats américains. Tout le monde parle anglais et moi, je parle français. Il n'y a aucune possibilité de suivre une conversation parce que les pauvres livrent deux gamines. Et comme tous les Américains à l'époque, ce qu'ils donnaient à tout le monde, c'était du chocolat et des chewing-gums. Ils auraient bien voulu nous aider, mais ils ne savaient pas qui nous étions. Et pendant des jours, je suis allée avec ma sœur à cette synagogue en me disant, c'est là qu'on aura... La réponse viendra de là, pas ailleurs. Et un beau jour, on a rencontré un soldat qui parlait. Et il m'a demandé... Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'avais l'adresse de mon frère, je savais qu'il était dans les Alpes, je ne vous en ai pas parlé, il était dans les Alpes, avec un faux nom, je lui ai donné l'adresse, et il me dit, ramène mon frère. Et il est parti aux Alpes, vous imaginez, de Besançon aller aux Alpes, pendant la, sitôt après la guerre, quand il n'y avait ni rail, ni train, il n'y avait rien, et lui, il avait un jeep, donc... Il est parti, il a ramené mon frère. Parce que ce que je ne vous ai pas raconté tout à l'heure, c'est que Joseph n'était plus parmi nous. Et c'est seulement après de longues années, nous avons découvert, nous avons vu son squelette, et nous avons vu qu'il avait été tué. Il y avait dans le crâne un trou, et c'est ce que nous avons découvert il y a 30 ans de ça. Alors, il y avait, on était réunis, ma sœur, mon frère et moi. Bravo. Oui, mais alors quoi? On ne rentre pas à Belfort, parce que puisqu'on a cherché à Belfort, ni papa ni maman. Alors, où est-ce qu'on va? Ah, moi j'ai très bien oublié. On va en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y a un oncle, il y a une tante, il y a des cousines que nous avons connues avant la guerre. Oui, alors comment aller en Suisse? On est parti. On arrive à la frontière. Alors bon, on passe à la frontière là. Personne ne nous demande qui est venu. On nous laisse passer. La frontière est venue. On arrive à la frontière suisse. Ah, à la frontière suisse. Et je m'approche de cette bouteille là où il y a ce représentant de la police française, le suisse.
qui me demande qui êtes-vous. Alors je lui dis voilà, nous allons rendre visite chez mon oncle à Bâle, je suis à l'adresse en lui disant rue telle, telle, telle. Et il m'écoute, puis alors il me dit ah, vous les enfants, vous êtes français, n'est-ce pas? Et vos parents? Je dis mes parents sont polonais, voilà. Ah, vous ne pouvez pas passer la frontière. Alors imaginez-vous, trois gosses, vraiment trois gosses, avec beaucoup de poux dans la tête. Mais s'il y a vraiment un endroit où nous voulons aller, parce que mes parents, quand ils viendront nous chercher en Suisse, dans la famille, c'est bien, ça ne peut pas être autrement. Comment peux-je passer la frontière? Alors, on était là, les trois gosses, à pleurer, vraiment pleurer, les trois. La guerre est terminée, nous sommes déjà en 45, presque. Les camps se vident, les camps de Auschwitz, Buchenwald, de Birkenau, tous les camps se vident. Il y a les morts et il y a les vivants. Les vivants, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Jeunes, les enfants de votre âge, qui n'ont pas où aller, qui n'ont ni papa ni maman, ils n'ont plus rien non plus. Alors, c'est l'agence juive qui s'occupe d'eux. Et ils s'adressent au gouvernement suisse pour leur demander la permission de louer en Suisse des maisons pour qu'ils puissent être quelque part et que les maisons seront exterritoriales, c'est-à-dire elles n'appartiendront pas aux Juifs, elles appartiennent aux Suisses jusqu'au jour où le dernier des enfants juifs quittera cette maison. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de ce mot Shoah jusqu'à maintenant, parce que je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé en Europe, en Pologne. Alors, en arrivant dans cette maison, en nous mettant à table, on était des gosses, tout jeunes, je m'aperçois que quelques-uns prennent des fruits, les mettent de leur poche, il y en a qui prend un petit pain, qui le met de leur poche, il y en a qui cache. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu. Je connais pas. Alors, je vais chez le directeur de cette maison, et je lui dis, Hati, est-ce que tu peux m'expliquer ce que j'ai vu là? Ah oui, mais ça c'est de la Shoah. Ah, qu'est-ce que c'est la Shoah? Ah, non, ça ne dit rien. C'est seulement après la guerre que j'ai appris la Shoah. C'est seulement après la guerre que j'ai commencé à comprendre le malheur, le grand malheur. C'est seulement après la guerre que j'ai commencé à avoir peur de penser que des trucs que vos papas et ma maman ne reviendront pas. J'ai interrogé tous les enfants qui étaient dans cette maison d'enfants. Je connais toutes leurs histoires par cœur. Et j'ai été traumatisée pendant des mois à pleurer et à hurler, je ne pouvais pas dormir. Parce que tout ce que j'ai entendu de vive voix des enfants. Alors moi j'entends des histoires, peut-être que c'est, et je n'arrive pas à comprendre encore, je n'arrive pas à accepter que tout le monde a passé par là. Donc tout le monde est mort, tout le monde a été tué, tout le monde. C'est terrible. J'ai même du mal aujourd'hui à accepter le fait que tout le monde va pas aller par là. Jusqu'au beau jour, en avril 1946, nous faisons notre aliyah vers Israël. En avril 1946, on est parti de Genève en France, on a traversé la frontière et nous sommes arrivés à Marseille. Il y avait un grand camp à Marseille qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le camp d'Arenas. On attend tout simplement qu'on nous dise, voilà, vous êtes en partance pour Eretz Israël. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants. C'était, tous ceux qui étaient avec moi, c'était des enfants de la Shoah. Personne ne venait d'ailleurs. C'était des enfants orphelins à tout âge. Et un jour, on nous a dit, voilà, on vient vous chercher en camion, on vous fait monter sur les bateaux.
Alors, dans le camion où nous étions, debout, là, bien serré, il y a un monsieur qui s'adresse à moi, il me dit « Tu parles yiddish ?» Je dis « Oui. » « Tu es légal ?» Je dis « Est-ce que tu peux me rendre un service ?» Je dis « Oui. » Il me dit « Voilà, j'ai une valise là, tu la prends avec toi. Je t'attendrai en montant sur le bateau et je reprendrai la valise. T'es d'accord ?» J'ai dit « Bon, j'ai pris la valise. Et puis après, on est descendu du camion. Et je suis allée très lentement à monter la rentrée dans le bateau. Et ce monsieur m'attendait. Et la seule chose que je lui ai dit, c'était très bien. Alors il a dit, est-ce que tu veux voir ce qu'il y a dans cette valise? J'ai dit oui. Alors il a ouvert. Il y avait un petit garçon de 4 ans. Et j'ai jamais su, j'ai cherché dans le bateau. Pendant la semaine où on a navigué, pendant toute une semaine, je l'ai cherché après, pour savoir qui il était, comment il était, si c'était son papa, son grand-père, son oncle, je ne sais pas. En tout cas, c'était une surprise surprenante, je dirais. Voilà. Alors, ça, c'était sur le bateau. C'était Pessah, alors que là, je me souviens que toute la semaine, il ne m'a pas mangé que des œufs et des bateaux. Là, c'était un bateau vraiment de luxe qui partait pour le Caire, pour l'Algérie tout d'abord, ensuite pour le Caire, et du Caire, l'Eretz Israël à Haïfa. Qui est-ce qui va m'attendre en Eretz Israël? Qu'est-ce qui va se passer en arrivant en Eretz Israël? Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va manger? Qui va nous parler? Avec qui sommes-nous? Bien, toutes ces questions normales, en fait, je ne m'en souviens pas. Je ne me suis jamais posé cette question durant ce voyage qui a duré pendant une semaine, à me casser la tête en me disant, bon, ben, on va arriver en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'étais un calme presque pas normal. Alors on est arrivé en Eretz Israël. À voir le bateau se glisser dans la baie de Haïfa et de voir le mont Carmel, dont je ne savais pas encore le nom Carmel, mais c'était très beau, très émouvant, et j'étais vraiment dans un conte de fées, franchement. On n'était pas seuls au monde, nous étions des centaines d'enfants. Alors, sur le paquebot encore, il y a eu quelques réunions avec ces enfants qui venaient des camps. Les madrichim qui les préparaient à l'arrivée au port de Haïfa, là où les Anglais nous attendaient. Évidemment, c'était la police anglaise. À leur dire aux enfants, si on vous demande vos noms, si on vous demande d'où vous venez, vous dites seulement Ani Yehudi, Ani Yehudi, Ani Yehudi. Voilà un point, c'est tout. C'est la seule chose que nous pouvions, qu'on avait le droit de dire. Et au fait, c'était vrai, Kol Echad, chacun était vraiment un juif. Après tout, on n'a pas menti. Alors, on est arrivé à Haïfa. Et à Haïfa, vous avez vu là le bus, là, quelque part, où il est, c'est l'autobus. Alors, c'est un genre de bus qui nous attendait à l'entrée. Enfin, bon, on a quitté le bateau. Et les autobus nous attendaient. Il y avait beaucoup d'autobus, dont les chauffeurs étaient israéliens. C'était des Israélim qui allait chercher, qui devait suivre l'ordre que les Anglais donnaient. C'est-à-dire, maintenant, vous remplissez les autobus bien serrés et vous les emmenez à Atlit. Alors, on est arrivé à Atlit. C'était quoi Atlit? Je sais qu'il y a deux façons de voir Atlit. Je sais que ceux qui ont passé les camps en Pologne, qui ont vu tout ce qu'on voit là, mais pire que ça, les gris, et les soldats, et la police, et enfin, les camps. Il y a une part de juifs qui sont arrivés et qui ont eu très peur quand ils sont arrivés à Atlit, qui ont dit, Makara, on est parti d'un camp, on revient d'un autre camp. Ils ont eu beaucoup de mal à s'habituer et à comprendre que c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé. Je sais que pas mal des enfants qui sont arrivés ont dû
donner leurs vêtements pour qu'on les désinfecte. Alors, ça leur a rappelé, évidemment, ce qui s'est passé dans les camps. Au bout de quelques temps, je ne me souviens plus si nous étions là-bas 2 semaines, 3 semaines. Il y avait la police anglaise et il y avait aussi des chambres d'ouvriers. On nous a appelés dans la grande salle, vous la verrez quand vous irez à Arcout. Alors dans cette grande salle, il y avait une table. Derrière, il y avait des personnes assises là. Et on nous a dit, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, où est-ce que je vais m'adresser, ben, je ne sais pas à qui. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas. Je ne suis pas chez lui. Alors, je me suis mis derrière sa table. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Et on a parlé en anglais. Et il m'a dit, je lui ai dit, moi, je veux aller à Jérusalem. Parce que je veux apprendre à être institutrice et j'ai une lettre pour quelqu'un à Jérusalem. Alors il me regarde et me dit, c'est là, Kaha, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors tout d'abord, Anachlo, moi je vais dire les maintenant, Anachlo, Shomrim, Otar, le Mikre Israël. Je lui dis, Mazé, le Mikre Israël. Alors il m'a dit, une école d'agriculture. Alors je lui dis, mais il n'y avait pas question. À Lyon, ça demande à traiter les vaches ou à faire quoi que ce soit. Non, moi je vais aller à Jérusalem, je vais faire des études pour être institutrice. J'avais 15 ans. Alors il m'a dit, ça ne se passe pas comme ça. Nous t'envoyons à Mikre Israël. Quand tu termineras tes études à Mikre Israël, nous t'enverrons dans un kibbutz. Et ensuite, au kibbutz, quand ils feront ta connaissance, ils verront que tu es vraiment apte à faire des études d'institutrice, ils t'enverront. Mais en attendant, tu vas à Mikre Israël. Pour moi, Mikre Israël, pour tout ce groupe qui était tous des enfants de la Shoah, tous des orphelins, tous. Jeune, on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, maximum c'était 16 ans, qui n'avaient pas terminé les études, qui avaient perdu leurs parents, qui avaient perdu. On avait tout perdu et on est venu à Mikre Israël. Mikre Israël a été pour nous la meilleure des choses qui puissent arriver à quelqu'un qui était dans des cas comme nous. J'étais institutrice pendant de longues années. Et j'avais un rêve d'être une fois et de travailler dans une école de la sortie de l'Aliyah Tanor. Et en effet, il y a 10 ans, il y a eu une très grande Aliyah qui est venue de la Russie. Et je leur ai appris l'hébreu. C'était moi, la Mora, et eux, c'était les nouveaux livres. Et voilà mon histoire. Il faudrait peut-être que je termine en disant quand même que, j'ai fait l'armée, je me suis mariée, j'ai vécu à Haïfa, j'ai des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'ai fait mon service militaire. Pour faire mon service militaire, il a fallu que je fausse mes papiers. Quand j'ai quitté Mikre Israël, vraiment, je n'avais pas où aller. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à trouver un petit... une chambre, disons, quelque part, à Tel Aviv. Et je me suis dit, je sais exactement ce que je dois faire maintenant. Je n'ai que 16 ans, mais je veux faire mon service militaire, cela, à Danal Israël. Et j'étais dans la marine. Et ce que nous avons fait dans la marine à Haïfa,
On a travaillé pendant 24 heures sur 24 heures à préparer l'état-major de la marine. Voilà. Merci. Je pense qu'il faut surtout faire comprendre dans quelle situation nous étions à l'époque. Pauvres, un petit pays, on était, je ne sais plus, peut-être 600 000 habitants en tout et pour tout. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour sauver ces Juifs et les amener sur la terre d'Israël? Parce que tout ce qui a été fait, c'est des sommes énormes. Combien d'argent il a fallu verser pour acheter les capitaines des bateaux pour emmener les Juifs en terre d'Israël? Il fallait des sommes énormes, mais jamais on a dit on ne peut pas, c'est pas possible. Il faut vraiment être fier d'être qui nous sommes pour voir combien nous sommes liés l'un à l'autre. C'est notre destinée à nous, c'est ça. Si on ne comprend pas encore, j'espère que vous allez comprendre un petit peu en ayant vu ce film, ce que ça signifie d'être un Juif. C'est très important. Avez-vous déjà été en France, hier, par des témoignages? Quel est votre ressenti aujourd'hui, notamment pour les Juifs de France? Est-ce que vous avez témoigné auprès de la communauté française? Est-ce que vous faites un appel auprès des Juifs de France à venir en Israël? Avec tout ce que vous avez vécu, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, malheureusement, beaucoup d'antisémites, comment vous réagissez dans la psychologie? Est-ce que c'est pas clair ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui avec l'antisémitisme? On a encore à se poser des questions. Oui, non, peut-être, un petit peu. Ça va passer. Bon, ça va passer. Ça va continuer. Et ce que j'ai vécu, moi, à mon âge, ça peut se reproduire d'une manière telle. Je ne trouve pas que la France a beaucoup changé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle a parlé de sa mère, quand elle a dit que les Allemands ils sont venus, ils sont toqués, ils ont voulu la prendre, sa maman. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux, enfin, on a vu ses larmes, et ça m'a touchée, terrible, parce que je me suis dit, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui de perdre sa maman à 11 ans. En plus, donc ça m'a vraiment marqué. Elle se souvient de tout, c'est incroyable, quoi. C'était impressionnant. Alors, moi, ce qui m'a choquée, c'est qu'au début, elle disait que avant que la guerre elle commence, ils vivaient dans un petit appartement, tout sale. Ils étaient nombreux dans l'appartement, dans des mauvaises conditions. Et malgré tout ça, elle était heureuse. Donc c'est beau de voir comment avant on vivait et qu'il n'y avait pas besoin de matériel pour être heureux. Ce qui m'a surpris, c'est quand elle a commencé à parler de sa mère, qu'elle a raconté qu'elle a commencé à parler avec sa mère et sa mère, elle lui a dit qu'elle devait partir et qu'elle n'était pas bien du tout. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle lui a dit je vais donner mon alliance et qu'après longtemps, après je pense beaucoup de temps, elle a gardé son alliance. Et c'est beau. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vraiment, elle a tout fait pour se battre et rester avec sa famille, malgré que son père il soit parti, sa mère elle est partie. Ça l'a beaucoup émue. Et elle a tout fait, elle est partie carrément aller voir les officiers allemands, ceux qui ne se faisaient pas. Enfin, quand elle nous a dit ça, on était tous choqués en mode mais pourquoi elle fait ça? Alors qu'elle était juste inconsciente en fait. Et elle faisait ça, tout ça pour être réunie avec son frère, et je trouve ça super beau. Et c'est la première fois que j'entends dans toute l'histoire qu'une famille veut autant être réunie, quoi. Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir qu'elle a vécu quand même pour une enfant très jeune. Parce que je me dis, moi, à mon âge, si j'avais perdu mes parents, si je me retrouvais seule avec mon frère et ma sœur, que je savais pas quoi faire, que je savais pas où aller, que j'ai été bloquée de partout, je me demande comment elle a fait pour rester aussi forte sans ses parents, qu'elle a eu le choix de venir en Israël et qu'elle a tout fait pour justement arriver en Israël. Elle a réussi. Je trouve que c'est une personne très forte et voilà. Elle était très mature pour son âge. Quand elle a parlé de sa mère, quand les Allemands ils sont venus aller chercher, pour taper à la porte, pour juste revenir chercher sa mère et qu'elle nous a raconté qu'elle savait que c'était la dernière fois qu'elle la voyait, mais qu'elle savait pas vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Là, on a vu l'émotion dans sa voix, l'émotion dans son visage, et je pense qu'on a tous ressenti genre quelque chose de très très fort, quoi, émouvant. Moi, c'est quand elle a parlé de sa mère, quand elle a dit comment on peut laisser partir sa mère, je me suis dit la même chose. J'ai pensé à ma mère, j'ai dit mais en fait, en réalité, quand on y pense, si ma mère a parté, on ne sait pas ce qu'on ferait. Je pense qu'on est tous comme ça, on a à peu près tous le même âge.
Donc on se pense tous pareil, on est encore dépendant de nos parents et elle avait même pas 11 ans qu'elle a dû prendre soin de ses petits frères et sœurs et s'est sentie responsable directement. Et même si elle était inconsciente, bah, elle a fait un peu ce qu'il fallait pour faire. Elle est, comme elle a dit, partie voir les Allemands en mode même pas peur, dites-moi où ils sont mes parents. Mais en réalité, genre, elle savait pas. Donc voilà, je pense que c'est très fort de sa part. J'ai eu la chance d'avoir un peu des témoignages comme ça de survivants, mais qui eux, ils avaient vécu cette chose-là, cette horreur-là des camps. Enfin, et là, on a eu une autre vision, un autre témoignage de cette fuite sans cesse à travers la France, la Suisse, à travers un peu tout ce qu'on a de l'Europe, sans pour autant être allé, avoir fait le pas en fait vers les camps. Donc ça, c'est un peu une autre vision, un autre point de vue de ce qui pouvait se passer à cette époque-là. Bah, moi, c'est ma grand-mère et mon grand-père à Tunis. Ils ont vécu à l'arrivée des Allemands, où ils devaient se cacher, où la synagogue c'était dans le hall de leur immeuble, ils ne pouvaient pas faire la religion comme ils voulaient. Et c'était vraiment un peu la famine, jusqu'à ce que les Américains, enfin les Alliés arrivent. C'était la famine, donc elle a dit les Allemands, quand elle a parlé des enfants de la Shoah, qui quand ils sont revenus dans l'orphelinat, bah, ils ont dit ils volaient des morceaux de pain, etc. Bah, ça m'a fait penser à ma grand-mère, bah, elle n'aime pas du tout jeter, donc elle a vécu un peu la famine, donc c'est ça. Et le fait qu'elle veut se donner à Israël, elle peut faire ça, etc. Et moi j'ai envie de aussi faire beaucoup l'armée. Bah complètement, parce que par exemple en France, c'est plus du tout pareil qu'avant, enfin l'antisémitisme au maximum, c'est-à-dire que c'est tout le temps les juifs et en fait l'histoire on dirait elle se répète, c'est un truc de fou. Je pense que ça fait partie du passé parce que maintenant il y a Israël, on a un pays, Baruch Hashem, il y a l'armée. Et l'armée, je pense que si Chas V'Shalom ça reprend, il y a l'armée israélienne qui peuvent intervenir. Donc je pense pas que ça peut se reproduire. Enfin, j'espère pas. Voilà, si ça peut peut-être arriver, parce qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, mais peut-être pas de la même manière. C'est-à-dire de nos jours, enfin, il y a tellement on est tellement avec les informations tout le temps que quelque chose comme ça sur la durée pourrait pas arriver, c'est-à-dire cacher des camps, etc. Je pense pas que ce serait possible à ce point, mais qu'il y ait des persécutions, je pense, malheureusement, il y en aura toujours. Moi, je suis partagé par rapport à ça. Parce que d'un côté, je me dis, on a appris de l'histoire, même si bon, aujourd'hui, ok, il y a l'éducation initiale, tout ça et tout, mais je me dis, on a appris, on comprend ce qui s'est passé. Et je me dis, est-ce que, y a avec tous ces gens-là qui pensent encore que non, ça n'a pas existé, qui même s'ils pensent que ça existait, etc., ils s'en fichent un peu, quoi. C'est quand même cette crainte, ouais. Je me dis, et si en fait, et si. Et si. Ouais. Ben, moi personnellement, je ne savais pas que des rescapés de la Shoah étaient venus à Midi Israël. Après, on peut se dire que c'est beau parce qu'on étudie là où des rescapés qui ont souffert, ils ont pu étudier, donc c'est une chance. Et pas tout le monde a cette chance d'étudier ici. Donc. Ouais, je pense à la même chose. Non, parce que voilà, parce que l'année dernière, on nous a beaucoup parlé de l'Israël par rapport à la construction de l'État, etc. Et là, on voit une autre facette. Bah, en fait, on ressent bien qu'on est dans un endroit, déjà pour ça, qui est un peu spécial par rapport à l'histoire d'Israël. Mais on sent aussi maintenant que c'est aussi par rapport à notre histoire des Juifs, donc de la Shoah et tout. Et en fait, ça, dans notre esprit, je pense que ça nous rend l'Israël une place encore plus importante, genre dans notre vie, entre guillemets. Parce que ça veut dire que on savait que c'était très très, enfin c'était assez ancien comme campus et tout, mais là on se dit que ça veut dire Tzipora elle avait rien quand elle est arrivée et Mikvé Israël ça lui a un peu tout donné entre guillemets, une vie et tout, donc on se dit genre, voilà. On sait que c'est un lieu historique et que on a de la chance d'être ici et de passer notre bac ici. Ouais, c'est vrai, c'est beau d'être dans une école où il y a une histoire, quoi. C'est pas seulement une école, c'est une école qui a vécu des choses, voilà, des gens qui sont arrivés de France, ils ont vécu la Shoah et malgré tout, ils sont arrivés ici, ils ont dû tout reconstruire et nous aussi, on est là aussi pour construire une vie en Israël, donc c'est beau.